Je suis allé à Londres et j'ai gagné le concours de Mister Universe en tant que plus jeune Mister Universe de tous les temps. Et si c'est arrivé, c'est parce que j'avais un objectif. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. En visualisant votre objectif, les choses deviennent amusantes. Vous devez avoir un but. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. C'est la règle numéro 1. Avoir une vision. La règle numéro 2. Et de ne pas écouter les haineux. N'écoutez pas les défaitistes. Dans tout ce que j'ai entrepris, il y avait toujours des gens pour dire « C'est impossible. Tu n'y arriveras jamais. » Alors à chaque fois que quelqu'un disait que c'était pas faisable, moi, j'entendais « C'est faisable. » Quand il me disait non, j'entendais « Oui. » Et quand quelqu'un me disait « c'est impossible », moi j'entendais « c'est possible ». Je crois durement en ce que Nelson Mandela a dit. Tout est toujours impossible, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc, je veux être cette personne qui le fait. Je veux leur montrer qu'ils ont tort. Peut-être que ça n'a jamais été fait avant. Très bien. C'est parfaitement pour ça que je vais le faire. Et je n'écouterai jamais ceux qui s'y opposent. Je pense que la troisième règle dont je vais vous faire part est la plus importante. Bouge-toi le cul. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie là-bas. Vous ne pouvez pas tricher. Vous devez travailler. Travailler et travailler. Ça me rend complètement fou quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller à la salle 45 minutes par jour ou faire quelque chose.